Ô Jésus, notre aimable Sauveur, nous voici humblement prosternés à vos pieds, afin d'implorer votre divine miséricorde pour nous et pour les âmes des fidèles qui sont morts. Daignez nous appliquer à tous les mérites infinis de votre sainte passion que nous allons méditer. Faites que dans cette voie de soupirs et de larmes où nous entrons, nos cœurs soient tellement contrits et repentants, que nous embrassions avec joie toutes les contradictions, les souffrances et les humiliations de cette vie. Jésus-Christ monte au calvaire, il y va pour y mourir, suivant le Seigneur, notre frère, qui pour nous voulut souffrir. En mourant, il nous délivre du fardeau de nos péchés, et celui qui veut le suivre sous la croix devra marcher. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Ô Jésus, mes péchés ont provoqué contre vous l'injustice de condamnation à mort. Pardonnez-moi pour toute fois où j'ai jugé ou accusé injustement mon prochain. Ô Jésus, ayez pitié de nous qui sommes de pauvres pécheurs. Chez Pilate, on le compare au dernier des scélérats. Que dis-tu, peuple barbare? Tu réclames Barabbas. Quelle indigne préférence! Coupable et pardonné, et malgré son innocence, Jésus-Christ est condamné. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Ô Jésus, qui avez daigné prendre sur vos épaules blessées le lourd fardeau de la croix pour réparer mes péchés, faites-moi comprendre que c'est dans l'accomplissement quotidien de mon devoir d'État que je porte ma croix à votre suite. Ô Jésus, ayez pitié de nous qui sommes de pauvres pécheurs. Mais voici qu'on le présente, une croix au doux Sauveur. Sur sa chair encore sanglante, elle ajoute à ses douleurs. Et pourtant, il la désire, il la veut depuis toujours. Depuis toujours, elle l'attire, son regard brûlant d'amour. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Ô Jésus, qui, chargé du pesant fardeau de mes péchés, est tombé à terre sous votre croix. Ah, aidez-moi à me relever. Après chacune de mes fautes, après avoir sincèrement regretté mes péchés,
Ô Jésus, ayez pitié de nous qui sommes de pauvres pécheurs. Ô Jésus, vos mains calleuses ont manié bien d'autres bois, vos épaules laborieuses ont plié sous d'autres poids. Il est donc bien redoutable ce fardeau, mon doux Jésus, puisque ce poids vous accable et que vous n'en pouvez plus. Quatrième station, Jésus rencontre sa très sainte mère. Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Ô Marie, ma bonne maman du ciel, donnez-moi un cœur pur, bon et compatissant comme le vôtre. Secourez-moi dans les tentations de cette vie. Ne m'abandonnez pas à l'heure de ma mort. Ô Jésus, ayez pitié de nous qui sommes de pauvres pécheurs. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au chemin de la souffrance, pour l'aider, Marie est là. Elle ne veut pas sa présence soutenir ses derniers pas. Ô Vierge, notre faiblesse, nous avons besoin de vous, puisque nous tombons sans cesse. Demeurez tout près de nous. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Ô Jésus, vous avez besoin de mon aide pour sauver les âmes. Alors, donnez-moi la force de prendre avec amour la croix de ma souffrance et de vous suivre avec courage. Je serai toujours heureux de savoir que mes petits sacrifices peuvent vous aider et vous soulager au milieu de vos atroces souffrances. Ô Jésus, ayez pitié de nous qui sommes de pauvres pécheurs. Quand Simon, l'un de mes frères, est choisi pour te porter, oh, crois-tu paraît légère qui voudrait se dérober pour la tâche au divin maître. S'il vous faut des ouvriers, me voilà de tout mon être. Je suis prêt à vous aider. Sixième station, une femme pieuse essuie la face de Jésus. Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Ô Jésus, qui avez récompensé Véronique de son acte de charité en imprimant votre visage en son linge, aidez-moi à être toujours bon et miséricordieux à l'égard de mon prochain. Ô Jésus, ayez pitié de nous qui sommes de pauvres pécheurs. Tous vos traits par la souffrance sont creusés de durs sillons. Nos
nos péchés et nos offenses sont gravés sur votre front. Souvent en défaut mon corps, votre image autour de nous. Ô monde qui vous ignore, nous saurons parler de vous. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Ô Jésus, mon orgueil vous fait tomber une deuxième fois. Apprenez-moi à être doux et humble de cœur comme vous. Je veux vous imiter en souffrant. Patiemment, toutes les humiliations sans jamais garder de rancune. Ô Jésus, ayez pitié de nous qui sommes de pauvres pécheurs. Votre pied heurte la pierre, vous tombez sur le chemin, votre sang dans la poussière, le marque d'un sceau divin. Ô Jésus, je vous adore. Prosterné, je vous implore, moi qui tombe tant de fois. Huitième station, Jésus console les filles de Jérusalem qui le suivent. Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Ô mon Jésus, faites que je pleure mes fautes, surtout lorsque je vais me confesser. Faites que mes confessions soient pour moi l'occasion de me corriger toujours plus de mes péchés. Ô Jésus, ayez pitié de nous qui sommes de pauvres pécheurs. Vous pleurez sur mes souffrances. Pleurez donc sur vos péchés, puisque c'est pour vos offenses que mon sang sera versé. Suivez-moi vers le calvaire, suivez-moi, sachez offrir vos souffrances pour souffrir. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Ô Jésus, lorsque je suis dans la tentation, aidez-moi à toujours vous appeler à mon secours, afin que je ne tombe pas dans le péché. Protégez-moi contre les tentations du démon, afin que, n'y succombant pas, je vous sois toujours fidèle. Ô Jésus, ayez pitié de nous qui sommes de pauvres pécheurs. À quoi bon tant de souffrance? À quoi bon verser son sang quand il voit la foule immense de pécheurs impénitents? Et pourtant il se relève, prend la croix à pleine main, il poursuit et jusqu'au bout du chemin. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Ô Jésus, aidez-moi à toujours rester pur d'âme et de corps,
que jamais mon habillement, mes conversations, mes regards, mes pensées, mes fréquentations ne puissent baisser la belle vertu de pureté. Ô Jésus, ayez pitié de nous qui sommes de pauvres pécheurs. On dépouille votre taille et plus rien pour vous couvrir. Autrefois, né sur la paille, vous voulez ainsi mourir. Enseignez à tous vos frères l'amour de la pauvreté, que les biens de cette terre sont toujours à mépriser. Onzième station, Jésus est attaché à la croix. Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Ô Jésus, par mes souffrances offertes en sacrifice, je veux être attaché avec vous sur la croix. Je veux souffrir avec vous, comme vous et pour vous, afin que par mes sacrifices unis aux vôtres, je puisse vous aider à sauver les âmes. Ô Jésus, ayez pitié de nous qui sommes de pauvres pécheurs. À grand coup, le marteau frappe, dans la chair y vont les clous. Comme une divine grappe que l'on presse sous les coups. De ses mains le sang s'écoule, de ses mains qui si souvent ont béni d'immenses foules et guéri tant de souffrances. Deuxième station, Jésus meurt sur la croix. Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Ô Jésus, par les douleurs amères que vous avez endurées pour moi sur la croix, surtout lorsque votre âme s'est séparée de votre corps sacré, faites que je puisse mourir en état de grâce. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses en nous pardonnant à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Ô Jésus, ayez pitié de nous qui sommes de pauvres pécheurs. Voici donc l'instant suprême qu'il attend depuis toujours, de prouver à ceux qui l'aiment jusqu'où va son grand amour. Embrassant la terre entière, ses deux bras sont étendus. Il appelle tous ses frères et il meurt pour leur salut. Treizième station, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Ô Marie, permettez-moi de venir adorer votre divin Fils que vous tenez entre vos bras et de mêler mes larmes aux vôtres. Préservez-moi de tout péché mortel qui crucifie Jésus et transperce votre cœur immaculé de nouveau. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Ô Jésus, ayez pitié de nous qui sommes de pauvres pécheurs.
en vos bras quand on vous livre votre fils inanimé. Vous lisez comme en un livre sur son corps tous nos péchés. Dites-nous, ô tendre mère, tout ce que vous avez vu, gravé en nos cœurs de pierre, les blessures de Jésus. Quatorzième station, Jésus est mis dans le tombeau. Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons parce que vous nous avez racheté le monde par votre sainte croix. Je mourrai un jour et je serai enseveli comme vous, ô mon Sauveur. Daignez à l'heure de ma mort être à mes côtés, afin que, mourant dans votre grâce, je puisse être uni à vous dans l'éternelle béatitude du ciel. Ô Jésus, ayez pitié de nous qui sommes de pauvres pécheurs. L'ennemi de votre gloire peut sourire, il est vainqueur. Et pourtant votre victoire est certaine, ô mon Sauveur. Malgré la nuit de la tombe, le linceul sur votre corps, aujourd'hui l'enfer succombe. Vous avez vaincu la mort. Ô Jésus, je viens de terminer mon chemin de croix. Par cette prière, je vous demande de m'aider à vous rester toujours fidèle. Daignez accorder aux pécheurs la grâce de la conversion. Donnez à votre Église la force de prêcher partout votre saint nom. Protégez mon pays afin que tous ses habitants croient en vous et proclament votre saint nom. Ô Marie, par votre cœur immaculé, ayez pitié de nous qui avons recours à vous. Vive Jésus, vive sa croix. Oh, qu'il est bien juste qu'on l'aime, puisqu'en expirant sur ce bois, il nous aime plus que lui-même. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus, vive sa croix. Vive Jésus, vive sa croix. C'est l'étendard de la victoire. De ce trône, il donne ses lois. Il conquiert le ciel et sa gloire. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus, vive sa croix. Vive Jésus, vive sa croix. De nos biens, la source féconde. Saint autel où le roi des rois, en mourant, rachète le monde. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus, vive sa croix. Vive Jésus, vive sa croix. La chair de son éloquence, où me prêchant ce Vive Jésus, vive sa croix, la chair de son éloquence. Non, bref. Vive Jésus, vive sa croix, la chair de son éloquence.
Vive Jésus, vive sa croix, la chair de son élan, au cancer, où me prêchant ce que je crois, il m'apprend tout par son silence. Chrétiens, chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens, chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Vive Jésus, vive sa croix, ce n'est pas le bois que j'adore, mais c'est mon sauveur sur ce bois que je révère et que j'implore. Chrétiens, chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens, chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Vive Jésus, vive sa croix, dans la main du juge inflexible, les damnés tremblent à sa voix, tu verras aux croix invisibles. Chrétiens, chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens, chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Vive Jésus, vive sa croix. Prenons-la pour notre partage, ce juste, cet aimable choix. Vive Jésus, vive sa croix. Prenons-la pour notre partage, ce juste, cet aimable choix. Conduit au céleste héritage. Chrétiens, chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens, chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix.